Nous le sang du loup. Aha! Votre esprit est-il prêt à rejoindre la bestialité de notre monde? Ah, attendez, stop! Il faut que je résume 5 secondes pour ma tête, parce qu'il faut savoir, chers amis, que je viens de me réveiller, donc je suis dans les vapes. Je prends un coup de coca. Ok, Ayla la chasseuse. Elle a bien un corps de loup vachement masculin, je trouve, hein, pour une gonzesse, enfin bon. Et si je veux pas être un loup-garou? Non, j'imagine que je suis obligé de l'être pour avancer dans l'histoire. Bah, et si je veux pas être un loup-garou, tiens. Personne ne vous y contraint. Mais pour entrer dans notre cercle, votre sang doit être identique au nôtre. Retenez une fois votre décision prise. Ah, chers amis, je vais vous avouer un truc. Je veux pas être un loup-garou. Je veux pas être un loup-garou. Je veux pas être un vampire. Je veux pas être toutes ces saloperies. Je veux être un barbare, un vrai, incapable besoin de la puissance d'un virus ou d'une saloperie pareille. Oh, God. Le combat à main nue et le combat roi, qui compte sur une arme, est un fou. On peut étendre ça à tout le reste. Enfin. Allez, c'est pour avancer l'histoire. Allez, je suis prêt, vas-y. Et dire que je m'étais rasé ce matin. Oula, oula, oula. Ah, oui, du sang. Du sang, du sang, d'accord, du sang. Il va taper dans... Oh, hey. Mais pas sous la... Ah, mais pas sous le bras comme ça, c'est dégueulasse. L'épaule. L'épaule, putain. Si un jour vous devez vous faire couler du sang, c'est vrai que c'est le plus rapide, mais ça ferme pas, c'est dangereux. Ah, mais je suis con, c'est un loup-garou, ça régène. Putain, quand même, elle est vachement belle, hein, comme ça, hein. Mais c'est un beau chien, ça. Et c'est qui, ma chasseuse? Et c'est qui, ma chasseuse? Oui, c'est ma chasseuse. Ma chasseuse démoniaque. C'est ma chasseuse démoniaque. C'est quoi, être un compagnon? Ça implique de passer plus de temps que je le voudrais à Blancherie. Eh bah, putain, t'es... T'es drôlement loquace pour un loup-garou. Musiki mon beau compagnon. Musiki quelle musou tu joues plus. Elle est adorable. Je suis sûr elle peut halter si... Putain par contre c'est beaucoup de sang, t'es sûr ça va? Bon, allez, j'arrête de temporiser les amis, j'y vais. Oh misère, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah, allons-y. Iou. Petit qui gambade dans... Ça a le goût de chien mouillé. Forme bestiale, à joue. Oh! I guess je suis un loup-garou maintenant. Le problème, on n'y voit pas grand chose, hein. Bonjour, excusez-moi, pardon, tac tac tac! En fait, il faudrait que je m'enfuis d'ici, c'est ça? D'accord, je suis ennemi avec tout le monde, ok, mais ça va mettre la merde ça, j'espère que plus tard ça va se réparer. Bonjour, pardon, excusez-moi, pardon, tac tac tac, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi les nobliaux, pardon, pardon madame, pitié, oui non mais je vous vois rien. Oh vous tombez bien, Bilia. Oups. Ah merde, je voulais buter les Alikir moi. Oui parce que depuis le temps que j'ai buté leur chef, buté leur troupe, buté le horde, et qu'il y en a deux là qui me provoquent, qui sont là à l'entrée du truc et que je peux pas buter parce qu'ils sont à l'entrée du village, vous voyez ce que je veux dire. Là maintenant c'était un bon prétexte mais apparemment ça s'est pas fait, ça a déclenché un temps de chargement. Pourquoi? J'ai dû faire une connerie. Ou j'ai peut-être fait bugger le jeu, j'ai dû rentrer dans la maison sans faire exprès et Hein? Quoi? Ah, excusez-moi, c'est Orange qui m'envoie un message pour me dire que ouais, vous pouvez, je sais pas, faire des choses avec vos SMS, donnez-nous de l'argent. Voilà, c'est ça qu'ils demandent. Ils font chier Orange, pour ça c'est de la merde. Alors, oh mon slip. Wait, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, apparemment j'ai tout mon stuff. Bon, on va se balader un peu à poil. On peut pas faire de mal. Votre transformation n'a pas été des plus faciles, mais vous êtes toujours en vie. Félicitations. Nous avons même prévu quelque chose pour fêter votre réussite. Des chasseurs de loups-garous ont monté leur camp dans les parages, au gibet. Ok. Ils font partie de la main d'argent. Je crois que vous les avez déjà rencontrés. Le gibet. Nous allons les massacrer, jusqu'au dernier. Le gibet, mais j'y suis pas déjà allé. Skior est déjà parti en reconnaissance. Il me semble les avoir tous butés déjà. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous êtes maintenant partie de la meute, mon frère. Ouais. Je vous envie presque. La première fois est toujours la plus intense. Bah ça marche que lorsqu'on se souvient. Vous avez donné encore plus de mal que Farkas lors de sa première métamorphose. Normal, c'est une petite bête. Je suis un loup-garou maintenant. Le sang du loup coule dans vos veines. Mais vous allez devoir prendre des forces avant de pouvoir faire appel à lui de nouveau. Et ne vous transformez pas n'importe où.
Ces terres grouillent de pleutres qui ne supportent pas de voir plus glorieux qu'eux. Ok. Ça veut dire quoi être un loup-garou ? Rien. Jusqu'à ce que vous décidiez d'utiliser ce pouvoir. Oh, c'est cool ça. Ensuite, eh bien. Vous en avez déjà eu un aperçu. On devient plus fort, plus rapide. On comprend rien à ce qui se passe surtout. L'effet ne dure pas, malheureusement. Mais le sang de vos ennemis peut le prolonger. Si vous acceptez de le boire. Oh. Plus nous mangeons, plus nous sommes capables de prouesses. Nous pourrions bien découvrir d'autres cadeaux d'Hircine. Hircine, le Dédra ? J'aime pas les Dédra. Enfin, on va où là maintenant ? La main d'argent s'est emparée de l'ancien fort du Gibet. Ouais. Ils font toujours des proies si faciles. Ah, je pose la question parce que j'imagine que ça se posera plus tard, mais y a un remède ? Un remède ? Ha ! On croirait entendre le vieux Codelac. Ok, t'es complètement conne. Je n'aurais pas dû dire ça. Je respecte énormément Codelac, mais il a tort. Ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction qui fait de nous les plus grands chasseurs. Te détrompe pas, pauvre enfant. S'il tient tellement à s'assurer une place à Sauvengard, c'est son choix. Moi, je préfère la gloire de la chasse. Moi, je préfère la gloire du combat. La victoire ne réside pas dans le fait de boire son sang en devenant une bête, mais d'être un être humain, fier de ses prouesses martiales et physiques, et de surpasser toutes les bêtes que la nature a créées pour être naturellement supérieur à l'humain. Devenir une bête en soi-même, c'est la solution de facilité, Ayla la chasseuse. En clair, t'es faible. Terriblement faible. Paradoxalement parce que t'as décidé d'être forte. Mais pas de la bonne manière. Donc... Je vais vous apprendre ce que je sais. Et si moi je l'ai fait, ne vous détrompez-vous, chers... Vous y trompez pas, chers amis. Ah, c'est juste pour cette guilde à la con. Alors, guilde des gays compagnons. Une bagarre. Ah, ça c'est pas cool, ça par contre. Wow! Arrière! Arrière! Ok. Ah, ouais, j'ai toujours ça, moi, c'est vrai. Mais tu crois que t'es plus fort que moi en pagne? Apprends le respect et reviens-y. Bon, par contre, je suis à poil. On est où là en fait? Blanche Rive est là. Waouh! Putain, le bad trip quoi, les mecs! Les mecs, le bad trip quoi. Alors attendez, excusez-moi. Anneau du barbare, armure du barbare, bottes du barbare, pas le casque, collier d'argent non. Collier du héros sombrage, je le garde, les gants du barbare et la lanterne portable. Voilà, je me sens peut-être un peu moins tout nu. Et là, il y a Aïla la chasseuse qui se fait attaquer par ce mec. Mais c'est pas des mecs de la main d'argent, on n'est pas censé. Vous ne me vaincrez pas! Recule! Recule et apprends le respect! Chien! Il a des belles flèches, lui, par contre. Flèche d'acier. Ariane Kinyanaro. D'accord, ça veut rien dire. Poussière de vampire. Archive stompeur. Épée d'argent. Particulièrement efficace contre les morts vivants. Je prends. Donc ça voudrait dire qu'un loup-garou c'est un mort vivant? Non, ça craint juste l'argent, il me semble, les loups-garous. Où ça? Où t'es? C'est bon, il se fait déglinguer. Vous vous croyez là? Hop, on va le fouiller un peu. Il a de l'or, une cape noire, une potion médicinale et un odachi d'argent. Pas mal, je prends. Bon, et bien écoutez, on va procéder, chers amis, on va procéder. On va peut-être se transformer en loup-garou, en fait. Sauf que pour, avant de faire ça, courage. Furie et courage. J'ai comme une envie de me battre. Parfait. Elle a comme une envie de se battre, ça m'arrange. Au passage, dans les magies et dans les pouvoirs, du coup, j'imagine. Forme bestiale, la voilà. On n'a plus qu'à essayer, hein, écoutez. Hein. C'est parti. Ah, effectivement, ça marche bien, je sens bien le chien mouillé. Allons-y. C'est marrant, j'arrive à ouvrir les portes. Moi, j'aurais pensé qu'il gratte, tu sais, contre la porte. Comme un chat ou comme un chien qui veut sortir, tu sais. Je suis désolé, les loups-garous, je peux pas... Les loups-garous alliés, je peux voir ça que comme des chiens. Je peux pas les considérer comme des personnes normales, ça fonctionne pas. Ah.
Genre là, Harry Potter, t'as le lupin, il se transforme en loup-garou, moi je serais même, il est mignon le petit, il est mignon. Bon après il me boufferait sans doute tout cru, mais... Bon, il est temps de tuer des gens. Regardez-moi ça. Ces lâches ont dû se barricader quand Skior a lancé l'assaut. La peur est palpable. La peur est palpable, peur est palpable. Alors putain, là pour l'instant, ah, j'arrive pas à me déplacer avec cette forme. C'est juste catastrophe. Alors, main droite, ça fait ça, ok. Ici. Milia! Oh nom 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 nom! C'est bon ça! Wouah, mais les mecs! Oh nom 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 nom! Oh, un de nos alliés. Il y a un cadavre, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Feed! D'après l'odeur, nous ne le connaissions pas. Certains ne peuvent pas contenir l'animal. Ils deviennent sauvages. Ce pauvre bougre aurait pu être n'importe qui. Aha. Nous devrions continuer. Nous devrions continuer. La porte est fermée et il y a une barre. Ok, donc j'assume c'était pas la part. Papa, ah, il fallait aller. Paye ton bug de jeu. Allez, on progresse. Il y a plein de cadavres de loup-garou partout. C'est quoi ça? N'existe pas ça. Par contre, c'est vrai que côté puissance d'attaque, c'est un peu monstrueux. Boum! Boum! Wouah les mecs! Bilia! Nom 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 nom! Ah j'avoue c'est marrant! J'avoue c'est marrant! Personnellement je ne me relierai pas sur cette forme toute ma vie, c'est-à-dire j'essaierai de m'en soigner dès que je peux parce que je peux rien faire avec, je suis juste complètement con j'ai l'impression. Mais j'avoue, c'est drôle. Tagda, 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 tagda. Voilà. Nom, 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 nom. Je mange les couilles. Parce qu'il n'y a rien de plus nutritif. Ça, c'est vrai que c'est rapide en plus. Je mange le pied. Il y a bon talon d'Achille. Aouh. Boum. J'aime leur mettre des claques. Ça lui apprend le respect. Et toi du coup tu fais pas péter la forme bestiale? Non, bon pas d'accord. Allons-y. Tagda, 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 tic, 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 tic. Bah merde alors. Par là alors. Tic, 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 tic. Miaou! Miaou les mecs! Oh non, non! Ha 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 ha! Ah c'est fun! Oh le Khajiit! Ah non, c'est un argonien. Non, c'est un Khajiit. Nam nam le bon poupée. Am nam 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 nam. Les âmes de chat, c'est délicieux. Boum, ta claque. Putain, les combos, quoi, les mecs. Les combos de l'infini que j'y cale. C'est monstrueux, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est overpower, quoi, les loups-garous. Je leur mets de ces trempes. Leur machin en argent, je le sens même pas, quoi. Et puis, il a une régène, ce loup-garou. Je sais pas si vous avez vu, chers amis. Mais il a une régène de psychotique. Tic, 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 tic. Boum! La, 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 la. Bah, vous voyez, il y a un coffre et je peux rien faire. Là, fait chier. Enfin. Aouh! C'est tellement la classe. Compte comment on fait pour annuler la forme. Bon. Par contre, il y a la caméra qui se met tellement loin derrière mon personnage, c'est juste chiant. Bon, en même temps, vous me direz, c'est pas vraiment un problème. Petit, 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 petit. Merde, je peux pas ouvrir cette porte. J'ai l'air con, tiens. Arrêtez, je me rends. Nom 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 nom. Cherche pas, cherche pas. Wow, c'est bugué. Oh, il le décapite en lui mangeant la tête. C'est dommage qu'on ait pas vu la cinématique. Allez, je vire tout le monde. Boum. Kev le possier. Allez, d'un. Et de deux. Nom 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 nom.
Tac, 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 tac. C'est marrant parce que plus je me bats, plus la caméra recule. C'est bugué, j'ai envie de dire. Oh, bizarre. Nam, 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 nam. Ah, mais lui, je sais pas, c'est dommage, je vous l'ai pas vu, mais on l'a vu mettre la tête entre les dents, il bouffait la tête, quoi. Littéralement, je lui ai bouffé la tête. Voyons ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire, ils sont morts, elle, là, c'est plus la peine. Faut arrêter. Attends, il y en a encore un, apparemment. On va ouvrir porte en bois. Ah d'accord, c'est la porte qui menait au début du truc. Parlez à Ella. On va attendre une heure, une petite heure. Normalement, ça devrait passer, non? Ça passe pas? Si on attend 4 heures.